Amen. Voilà. Merci à cette belle initiative si bien prise par la communauté des enfants de Pagrépio qui a coutume de se retrouver avec vous en pareille circonstance au lendemain des fêtes de la Nativité pour vivre un temps de miséricorde. C'est un beau projet. Dieu est miséricorde. C'est-à-dire qu'il est à la fois à la source et à l'accomplissement dont il rend miséricordieux. Et quand Jésus va demander à ses amis, soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux, c'est donc à dessein. C'est Dieu qui rend miséricordieux. C'est d'abord un don qui vient de lui et qu'il faut savoir accueillir dans l'humilité et dans la foi. Alors, il m'a été demandé, je ne sais pas comment on m'a demandé de venir vers vous, mais je ne sais pas comment ils ont appris qu'il y a un certain père qui a existé à Orly pour venir chez vous ici cet après-midi. Moi, j'étais surpris quand j'étais contacté. Voilà. Mais comme je suis un petit gentil garçon, j'ai accepté. Malgré l'agenda bien chargé. Parce qu'au lendemain des fêtes, c'est pas facile quand on est en paroisse. Alors, qui regarde vers lui resplendira. C'est le cri du psalmiste. Qui regarde vers lui resplendira. Vous savez, nous les chrétiens, enfin pour certains, il y a une certaine habitude qui ne se prête pas trop à la foi. On dit, ça rappelle un vieux proverbe du côté de l'Asie, quand un sage indique la lune, le sot regarde le doigt. Ce que c'est pas appelé les fausses dévotions. Quand un sage indique la lune, le sot regarde le doigt. C'est la direction. Donc il faut aller à la lune. Mais on s'arrête sur le doigt. Qui regarde vers lui resplendira. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Vous entretenez sur ce thème, je ne saurais l'épuiser. C'est une grande aventure. Parce que chaque fois qu'on s'approche de Dieu, il est toujours question d'une grandeur inépuisable, parce qu'il s'appelle l'éternité. Merci donc à cette communauté de nous avoir sollicité et nous essaierons de rendre ce qui est possible pour nous aider à entrer dans cette belle marche. Vous avez commencé depuis hier, c'est ça? Aujourd'hui? Et vous poursuivez demain? Ok. Alors, le sous-thème qui nous est proposé vient du livre des Lamentations. On nous dit souvent, nous les chrétiens catholiques, on ne connaît pas beaucoup la Bible, c'est vrai. Le livre des Lamentations, c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Le Nouveau? Se lamenter, pleurer. Pourquoi pleurer? Parce que le peuple a connu une situation pas du tout facile, l'exil. Dans l'exil, il a perdu son temple. Dans l'exil, il a perdu sa terre. Dans l'exil, il a perdu ses habitudes. C'est donc un peuple dénudé de sa foi, sans repère, qui veut ou qui se retrouve à la porte du désespoir. Et c'est là que jaillit le cri du prophète. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées.
elle se renouvelle chaque matin. Quand pour signifier ta situation d'aujourd'hui, ta réalité d'aujourd'hui n'est pas étrangère à Dieu. Il se tient à tes côtés. Il est au milieu de ceux qui savent compter sur lui dans l'humilité de la foi. Vous voyez donc ce cri du prophète est bien actuel. Nous traversons des situations pas du tout faciles. On entend souvent, pour certains, dire « si Dieu existait, ben, il ne permettrait pas telle ou telle chose. Comment se fait-il que je l'invoque et il ne me répond pas ? Où est-il donc passé ?» Très souvent aussi, Dieu est mis en procès au cœur des accusations de l'humanité. Légitime. Quand on souffre, il faut crier. C'est normal. Le cri est humain au cœur de la souffrance. Parce que notre humanité n'a pas été faite pour la souffrance. Elle a été faite pour le bonheur. Et nous allons voir la lutte de Dieu aussi à travers les écrits, à travers les prophètes, c'est de venir toujours en secours, de venir porter secours à la personne humaine, plus est lorsqu'elle se retrouve écrasée par la souffrance. Regardons Moïse au sommet de la montagne, face à ce buisson qui ne s'épuise pas dans les flammes. Retentit un cri, une voix. J'ai vu la misère de mon peuple. Va, je t'envoie. Donc notre Dieu ne veut pas la misère. Il veut le bonheur de chacune et de chacun d'entre nous, ici présents. Alors, entrer dans ce renouvellement est aussi l'action de l'Esprit. C'est pourquoi je vais prendre le temps avec vous, si vous me le permettez, d'essayer, par le contexte de ce sous-thème, présenter ce que nous pouvons comprendre dans les bontés du Seigneur. Comment les reconnaître et les recevoir. Ensuite, comprendre l'œuvre de Dieu qui nous conduit à ce qui ne finit pas. Ensuite, je vais avec vous voyager au cœur de ce sous-thème pour arriver à la dimension de l'espérance. C'est un cri d'espérance qui est caché là-dedans. Et enfin, je finirai avec Marie, qui se présente aussi à nous comme modèle d'espérance, à la suite du Christ qui en est le fondement. Voilà. Donc, nous allons partir du prophète pour arriver au Christ qui va prendre le cri du prophète pour donner le sens définitif plénier, total. Et c'est à juste titre aussi que nous nous retrouvons à ses pieds, devant la crèche, dans sa naissance. Nous sommes dans le contexte de Noël. Hein? Noël, vous savez donc qu'il y a deux grandes fêtes dans l'Église et qui bénéficient de 8 jours non coupés, qui s'appellent octave. On a l'octave de Noël et puis l'octave de Pâques. Donc pendant 8 jours, nous contemplons ce grand mystère. Dieu fait homme. Mais c'est Dieu
il a fait route avec son peuple. Il s'est choisi un peuple, il a marché à ses côtés, il s'est rendu fidèle, et aujourd'hui il est question de sa fidélité. Fidèle à quoi ? À l'alliance qu'il a scellée volontairement avec ce peuple-là. Pour dire, tu es mien, je ne t'abandonne pas. Je fais route avec toi et je vais te conduire à l'éternité bienheureuse. Et cette aventure est devenue officielle depuis la sortie de l'Égypte pour la terre promise. Et nous, vous et moi, nous sommes toujours dans la dynamique de cette sortie parce que nous sommes en marche. On s'appelle l'Église pérégrinante. Vous savez donc que notre Église a trois états. Hein? Il y a l'état à laquelle vous et moi nous nous retrouvons en ce moment, en marche. Il y a l'état de l'Église souffrante que nous célébrons traditionnellement le mois de novembre, mois des fidèles défunts, et puis à l'état triomphant qui revient dans notre credo qui dit la communion avec ceux qui sont parvenus à la destination qui se place sur notre chemin, le ciel. Voilà, nous sommes en marche vers le ciel parce que nous avons été créés pour le ciel. Amen. Amen. Ne me laissez pas parler seul. Hein. Encore, ne dormez pas. Il ne faut pas dormir. Demandez à votre ange gardien là de vous bousculer pour vous tenir en éveil. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir à la messe. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas poli. Mais ça ne fait pas sérieux devant le bon Dieu. Imaginez un roi qui vous invite et puis vous mettez à dormir devant lui. Alors que vous êtes à table. Ça ne fait pas bonne mine. Mais c'est ce qui arrive quand les chrétiens se retrouvent à l'église en train de dormir. C'est pour ça qu'avant de venir à la messe, secouez votre ange gardien de vous maintenir éveillé. Pour que vous ne rentrez pas comme vous êtes venu, c'est-à-dire bredouille. Amen. Voilà, ça c'est les conseils que vos curés ou vos prêtres doivent vous donner. Je pense qu'ils le font suffisamment déjà. Alors, pour bien comprendre le sous-thème qui nous est proposé, il faudrait aussi nous arrêter sur tout le chapitre, parce que c'est un morceau. Et vous savez, chaque fois qu'un morceau est proposé dans la Bible, il faut voir l'ensemble pour comprendre le pour, le contre, le pourquoi, le comment. Bref, pour essayer d'entrer dans sa matière et tirer le nécessaire pour nous relancer dans la vie. Alors, vous avez tous les Bibles à la maison? Je pense que je parle à des chrétiens, hein, c'est pas des... Il y a des animistes ici? Je pense que je parle à des chrétiens. C'est vrai? Vous avez une Bible? La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Est-ce que la Bible est un livre qui parle de Dieu? Amen. La Bible est un livre qui parle de Dieu. Il y a quelqu'un qui commence à regarder le portable. Non, je vais bousculer votre foi. La Bible n'est pas un livre qui parle de Dieu. Qu'est-ce que donc la Bible? Il vous secoue un peu, comme il fait froid là. La Bible a combien de livres? La Bible catholique, hein? Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y en a combien? Il y en a qui commencent à regarder le sac.
Combien de livres? Non. Il ne faut pas ajouter ce que Dieu n'a pas prévu. Hein. Faut pas ajouter ce que Dieu n'a pas prévu. Hé, hey, les gâteaux. Ça, c'est la colle. On n'est pas au pougon, hein. Pour les chrétiens, enfin, pour notre église catholique, le canon des Écritures arrête le chiffre de 73. Donc 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Contrairement à d'autres confessions qui s'arrêtent à 66 moins 7. Oui. Vous connaissez vos choses. Dans la Bible, je disais tantôt, Biblos en grec, qui veut dire livre en français, n'est pas un livre qui parle de Dieu, mais le livre où Dieu parle. Donc c'est une personne présente qui parle et qui attend d'être écoutée pour répondre à sa parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, nous rappelle le petit Samuel, alors qu'il attendait la voix. La voix. C'est une personne qui me parle. Donc chaque fois que j'ouvre ma Bible, je rencontre une personne. Pas simplement un morceau de papier, c'est une personne réellement là. C'est pour ça qu'à l'église, on dit parole du Seigneur, vous répondez, nous rendons grâce à Dieu. Réellement là. Ses bontés, c'est lui-même. Et Dieu se perçoit dans ses bontés à travers ses œuvres qui partent de la création. Regardons notre création. Dieu a tout créé et au-dessus, il a placé la personne humaine. Je te confie les clés. J'ai. Et c'est pour ça qu'on dit, l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà la bonté de Dieu, déjà à l'œuvre. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Aujourd'hui, tu es garçon ou bien tu es fille, tu peux décider de changer de sexe, mais tu ne peux pas décider de changer ton humanité. Tu restes personne humaine. Quoi que tu fasses. Et c'est un don qu'il faut savoir accueillir, reconnaître et valoriser. Et c'est dommage pour ceux qui continuent d'envoyer les enfants dans les WC. C'est dommage. Je pense que Noël doit être une fête qui nous secoue sur notre manière d'accueillir et de conduire l'humanité. Sacré. Parce que fruit de la pensée, du vouloir et de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas créés au hasard, comme si Dieu il jouait au loto. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit du vouloir, de la pensée et de l'amour de Dieu. Tu es aimé de Dieu. A crié le prophète Isaïe, chapitre 43. Tu as du prix à mes yeux et je te connais. Souvent, quand on sent qu'on est bousculé par les idées qui veulent
nous projeter vers le suicide, il faut que nous nous rappelions rapidement cela. Parce que le suicide, c'est diabolique, il faut l'évacuer très rapidement. Et tout le processus du diable, c'est de nous empêcher de voir les bontés du Seigneur. Vous savez, moi j'étais quelque part là, je dis, à la fin du mois, nous recevons une facture d'électricité. C'est juste ou c'est pas juste? Nous recevons une facture d'eau. C'est juste ou c'est pas juste? Nous l'avons consommé. Donc nous devons payer. Et alors, le souffle que nous respirons chaque jour, qui a reçu la facture? Et vous consommez pendant combien de temps? Un mois? Qui a déjà mis ses deux genoux au sol pour dire, Seigneur, merci pour le souffle que tu me donnes ce matin. Rien que pour ça. Et le reste suit. Reconnaître les bontés de Dieu, c'est d'abord l'œuvre de l'humilité dans la foi. S'il n'y a pas d'humilité, nous ne pouvons pas être reconnaissants. Et s'il n'y a pas d'humilité, l'action de Dieu ne peut pas porter ses fruits en nous. Parce que l'humilité est la base, la racine qui va faire jaillir la plante qui va donner d'autres fruits. C'est très important. Voilà. Et cela doit nous accompagner au jour le jour. Au jour le jour. Dieu n'est jamais absent. Il est présent. Je le rencontre dans sa parole. Je le rencontre dans les sacrements. Je le rencontre dans sa création et je le contemple dans ses œuvres. Dans ses œuvres. Parce que entre les œuvres de Dieu et Dieu lui-même, il n'y a pas écart. Tout est lié. Les œuvres de Dieu manifestent sa présence. Ça nous rappelle encore Saint Augustin qui méditait sur la Sainte Trinité et qui se baladait au bord de la mer. J'espère que vous prenez souvent le temps pour vous arrêter dans la nature et contempler comment Dieu parle. Voilà, il voit un petit enfant qui avait fait un trou et qui, avec à l'aide d'un petit récipient, faisait des va-et-vient entre la mer et son petit trou pour vouloir le remplir. Mais Augustin lui dit, hé petit, qu'est-ce que tu fais là? Je veux prendre tout l'eau de la mer et mettre dans mon trou. Et Augustin dit, mais tu es fou, tu ne feras jamais ça. Mais si, mais toi avec ta petite tête, pourquoi tu veux réfléchir et penser la Sainte Trinité? Et puis l'enfant disparaît. C'est une histoire qui se raconte. Alors, simplement pour nous faire comprendre, nous ne pourrons jamais épuiser cette bonté de Dieu dans nos vies. Elles sont incalculables. Nous qui aimons trop calculer, n'est-ce pas? Nous aimons calculer, même dans la prière, nous calculons. Si Dieu me donne 100 000, je vais. S'il me donne un enfant, je vais venir lui dire merci. S'il permet que mon mari se convertisse, je vais revenir à l'église. S'il me donne une grosse voiture, je saurai qu'il m'aime. Si. Nous calculons. Mais je vais vous décevoir. Chaque fois que vous calculez avec Dieu, vous échouez. Abraham, quitte ton pays et va. Il va où? Chaque fois qu'on calcule avec Dieu, on échoue.
il s'appelle l'éternité. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Tu vas calculer le nombre de fois que tu respires, tu vas t'arrêter et tomber. On ne calcule pas avec lui. L'humilité de la foi qui nous conduit à sa suite. Et le prophète va essayer de rappeler à ce peuple et à nous aujourd'hui, qui peut lever son doigt qui n'a jamais connu la souffrance? Mais en même temps, qui peut lever son doigt qui n'a jamais vu la bonté de Dieu dans sa vie? Mais entre les deux, se joue l'espérance. J'en viens. Espérer. Pour les recevoir, il faut les désirer. Voyez Jésus qui naît. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne par lui la vie éternelle. Donc c'est une proposition. Ce n'est pas une obligation. Les bontés sont là, mais Dieu sollicite notre adhésion. Il ne nous oblige pas. Et cette bonté dit l'espérance de notre foi. Benoît XVI dit, l'espérance c'est la foi conjuguée. À quel temps? Mais au temps de votre vie. Et cette vie est appelée à l'éternité bienheureuse. Donc, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Alors, l'espérance conduit jusqu'à cet endroit que les philosophes appellent, ou cet état que les théologiens, autant pour moi, appellent la vision béatifique. Et cette rencontre totale, définitive avec Dieu, où nous partagerons sa demeure pour toujours. Donc notre espérance vise le royaume des cieux. L'espérance du peuple d'Israël sera de le comprendre. Ce Dieu fidèle à l'alliance qu'il a scellée avec toi ne t'a pas abandonné. Rappelle-toi, tu étais en esclavage en Égypte. Il t'a sorti pour la terre promise. Tu as connu l'exil. Tu es reparti et je t'ai ramené afin que tu puisses connaître que ce Dieu que je suis ne ment pas. Je fais route avec toi. Et justement, l'espérance vient nous dire que Dieu ne déçoit jamais. Romains chapitre 5, verset 5. Elle nous maintient donc dans une position active pour rester dans le courage de la foi. Alors, savoir se laisser accompagner par cette espérance est une démarche aussi qui se prête à nous aujourd'hui. Se renouveler chaque matin, c'est en quelque sorte composer avec ce Dieu qui ne se fatigue pas de nous recréer, de nous refaire. Vous savez, ça nous rappelle aussi le pape François qui disait, ou qui dit, voilà, ne vous fatiguez pas de rechercher la miséricorde de Dieu. Dieu n'a que soif de faire miséricorde. Mais c'est nous qui sommes faibles à nous ouvrir à sa largesse. À sa largesse. Nous sommes faibles parce que parfois négligents, parfois inconscients, mais simplement parfois paresseux. Et ainsi, nous devons nous relancer en cette période de nativité. Pour comprendre
que ce Dieu n'est pas prisonnier de notre histoire. Et on entend souvent les gens dire, mon père, je ne peux pas. Ma situation est tellement noire que je ne peux même pas aller à la confession. Non. Non. Ne jamais se fatiguer de demander pardon. Ne jamais se fatiguer de se tourner vers Dieu. Il n'est jamais absent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ajouterai cette belle pensée. Lorsque Dieu veut réaliser son projet dans ma vie, même les obstacles sont des avantages. Lorsqu'on a compris ça, l'ennemi, mon attention n'est plus sur l'ennemi. Je le mets en prière et Dieu s'occupe de lui. Je continue mon chemin. Ça ne sert à rien d'aller faire la guerre. Et lorsqu'on a compris ça, on devient vraiment libre. Libre de la liberté des enfants de Dieu. Car ses bontés nous affranchissent de tout ce qui a tendance à nous soustraire à son projet. De toucher à notre dignité. Et de toucher à cette dimension qui est propre à nous. Comme créature à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors, je vais finir puisqu'on m'a dit que c'est bientôt l'heure. Gardons l'espérance. Espérer contre tout espoir. J'en viens d'abord à faire une distinction. L'espérance n'est pas l'espoir. Simplement parce que l'espoir est humain, est fragile, est passager. Tandis que l'espérance tient de la fidélité de Dieu et donc certain et qui conduit à l'éternité. L'espoir est légitime. Par exemple, au cœur d'une crise. Nous sommes dans un contexte de crise covidale. Cette fameuse COVID-19. Mais alors, les espoirs sont permis de sortir de cette pandémie. Mais l'espérance va plus loin. Elle ne s'arrête pas à la crise. Elle va au-delà de la crise. Parce que son fondement, c'est où? La croix du Christ. La croix du Christ qui se donne et qui va connaître la mort puis la résurrection pour sceller l'espérance qui a conduit le peuple choisi depuis sa sortie de l'Égypte vers la terre promise, préfigurant un peuple en marche vers le royaume. Voilà l'aboutissement de l'espérance. Elle est donc plus forte, puisqu'elle s'appuie sur ce qui est certain. Ce certain-là, c'est Dieu lui-même, fidèle à son alliance, qui ne se trompe pas et qui ne saurait nous tromper. La vérité dans la foi. Ensuite, si Marie, je finis par là, se présente à nous comme modèle d'espérance, c'est pour dire que c'est possible. Mais vous allez me dire, oui, elle était l'Immaculée Conception, l'ange Gabriel l'a visitée, elle était remplie de l'Esprit Saint. Je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous comprenez bien que ce n'est pas l'Église catholique qui a inventé le « Je vous salue Marie »
comme on a maintenant des gens qui sont même timides à prier avec Marie. On ne prie pas Marie, mais on prie avec Marie. Amen. Faut dire ça à ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a donné comme mère. Il est tout puissant, non? Pourquoi n'est pas descendu du ciel comme la fusée? Pourquoi il passe à travers une pauvre femme de Palestine? Voilà, ceux qui sont trop forts là. Allez à Jésus, oui, mais moi j'irai avec Marie. Allez, on dit que Dieu seul suffit. Oui, il suffit. Mais cette suffisance passe par ton humanité. Alors, Marie se présente à nous comme pour dire restez fort dans l'espérance. Regardez un peu ma vie. Moi aussi, j'ai attendu la promesse d'Israël. L'attente a forgé la foi du peuple. Quand il était en exil, il attendait de sortir de l'exil. Après l'exil, il attend la venue du Messie. L'attente. Et l'Église garde cette tradition à travers le temps de l'attente qu'est l'Avent qui vient de s'achever pour faire place à Noël. Et plus est, dans chacune de nos célébrations, il y a l'autre attente, c'est-à-dire le retour triomphant du ressuscité, qui reviendra mettre toute la création dans le sein du Père. L'attente. Vivons dans l'attente de ce jour. C'est ça l'espérance. Vivons dans l'attente de ce jour. Rappelons-nous les 10 femmes, Saint Vierge, les 10 Vierges, Saint Sage et puis Saint Insensé. Et Jésus va conseiller ses amis, restez en tenue de service, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tenue de service dans la prière. Tenue de service dans les œuvres de miséricorde. Tenue de service dans la fidélité au sacrement. Ne vous fatiguez jamais. Ne dormez jamais avec un péché mortel en conscience. Courez vers le prêtre. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ne dormez jamais avec un péché capital, s'il vous plaît. Jamais. Je pense que vous connaissez les 7 péchés capitaux. Au moins pour ceux qui savent déjà qu'au moins il en existe 7. Vous n'avez pas mis 8. Un péché capital parce qu'il fédère tout le reste. Autrement dit, tout le reste vient se greffer à ces 7. Ou de ces 7, on comprend tout le reste. Vous savez, quand on était tout jeune, on utilisait des techniques pour retenir les 7 péchés. On a formé un petit mot, galopec. G, comme gourmandise, disent, A, comme avarice, L comme luxure, O comme orgueil, P comme paresse, E comme envie et C comme colère. Galopec. Alors n'allez pas galoper dans la vie. On entend souvent, mon père ne vit pas deux fois, donc il faut profiter. Si tu vis 100 à l'heure,
la vie va te vivre et tu connais les conséquences. Comme Marie, dans le silence de la foi, restons éveillés dans l'espérance. Je finis par ce conseil. Quel est le dernier livre de la Bible? Apocalypsis en grec. C'est un livre de l'espérance, mais qui n'a pas beaucoup la faveur des chrétiens. Mon père, c'est trop dur. Et pourtant, c'est le livre de l'espérance. Lisez-le, relisez-le et laissez ce livre vous lire. Laissez-le vous habiter et vous allez comprendre comment fonctionne notre monde. On a l'impression que les dieux nous sont tombés sur la tête. Tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien d'hasard. Tout est prévu. Ce n'est pas du cinéma. C'est la vérité de la foi pour ceux qui ont les yeux de l'espérance. Moi, j'ai fini. Hein? Alors, ben, il fait son travail, je fais le mien. Il y a complémentarité. Alors, soyez donc des personnes qui savent dormir dans la joie de l'espérance, ce qu'on appelle un don de l'esprit, la joie intérieure, qui dépasse une belle chaussure, une belle voiture. Il y a quelqu'un là qui a gagné 200 millions, non? Il est content, non? Oui. On dit l'argent rend fou, il ne dort plus. C'est tellement content qu'il n'a même plus le sommeil. Parce qu'il a vu la misère se reculer pour faire place à la joie de la vie. Et on m'a dit, il y a des gens aussi qui savaient qu'en venant à la messe, ils auraient 100 euros. Même s'il pleut, ils ne manqueront jamais la messe. Mais comment c'est que Dieu, mon Père, est-ce que vous savez pourquoi on laisse l'église catholique? Parce qu'ils sont trop lents. On va aller là où c'est rapide. Le raccourci avait tué le rat. Dieu n'est pas pressé. Le temps est à lui. Regardez le palmier et le bananier. Qui pousse plus vite que l'autre? Le bananier. Mais un coup de machette, paf, il a terre. Tu vas battre un palmier avec un coup de machette. À bon entendeur. Le salut vient d'en haut et Dieu nous dépasse. Amen.